connaissez tous l'histoire du buisson ardent. Et à l'histoire du buisson ardent, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, enlève tes chaussures, quitte tes pompes? Parce que ce lieu est saint. Est-ce que véritablement, le fait d'enlever ses sandales allait honorer Dieu lorsque Moïse allait se retrouver devant le buisson ardent? Je vous rappelle que Moïse, il a grimpé dans ses sandales avec la poussière, avec la transpiration, avec tout ça. Il a grimpé jusqu'à ce lieu. Moi, je pense que ce serait certainement plus propre de garder ses sandales. Mais Dieu dit, enlève tes chaussures, enlève tes sandales, parce que ce lieu dans lequel tu es est saint. Autrement dit, ce lieu est à part. C'est pas quelque chose de religieux du tout. En vérité, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse à ce moment-là? Hé, Moïse, là, tu es dans la présence de ton Dieu, tu es dans la présence de ton Père, tu es à la maison, mets-toi à l'aise. Vous allez me dire, mais d'où tu sors ça? Eh bien, écoutez l'histoire de Jésus qui rentre chez un pharisien pour un repas. Et puis, une jeune femme vient et elle commence à pleurer sur les pieds de Jésus, ses larmes coulent sur les pieds de Jésus, elle prend ses cheveux et elle essuie les pieds de Jésus. Elle nettoie les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Et là, le pharisien la regarde et puis lui dit, « Ouh là là, si tu étais vraiment un prophète, tu saurais quel genre de femme c'est là. » Mais en vérité, Jésus sait très bien. Alors Jésus va se retourner vers le pharisien qui a eu ses pensées, puis il va lui dire, « Écoute, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as même pas offert de me laver les pieds et d'ôter mes sandales. » La vraie raison à ça, c'est que lorsque vous remettez les choses dans leur contexte historique, quand vous invitiez quelqu'un à l'époque de Jésus à rentrer chez vous, la première chose qu'il fallait faire pour votre invité, c'était de lui proposer de se mettre à l'aise, d'enlever ses chaussures, de se laver les pieds. Et ça voulait dire, mets-toi à l'aise, tu es ici chez toi. Si vous ne proposiez pas ça, c'était très insultant. Pourquoi? Ça voulait dire tout simplement que vous disiez à la personne, ok, tu viens me voir, mais moi j'ai pas de temps à te consacrer, donc tu vas repartir très vite, je prends pas le temps de te laver les pieds. Je prends pas le temps de te le proposer. Jésus n'a pas été accueilli par ce pharisien. Le pharisien ne savait pas à qui il avait affaire, il n'a pas accueilli Jésus, il ne lui a pas proposé de se laver les pieds, il n'a pas proposé à Jésus d'enlever ses sandales. En vérité, lorsque Dieu vous accueille dans sa présence, il a envie que vous soyez à l'aise. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et souvent, nous, on veut arriver vers Dieu avec tout un décorum religieux, toute une liturgie, et on n'est pas prêt de se mettre à l'aise. On est plutôt coincé, on avance, on prie, on a une voix, on joint nos mains, on ferme nos yeux, on a un air constipé lorsqu'on prie, parce qu'on n'est pas à l'aise. Alors que Dieu veut que nous rentrions dans son intimité et que nous soyons à l'aise. Mets-toi à l'aise, mon fils. Ôte tes sandales. Tu es dans la présence sainte de ton Dieu.